Ça fait plaisir de te voir. Comment t'es arrivé là? C'était pas facile. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas fait d'autres crises. Eh ben, t'as bien de la chance. Hé, je crois que je nous ai dégoté un moyen de transport. Tu crois qu'il marche? On va voir ça tout de suite. Merde! Qu'est-ce que vous foutez? Répondez. Ah! Je donnerai qu'on soit tranquille longtemps. Quoi encore? Sébastien, ils sont au-dessus! Attention, ils ont des explosifs! Sur la droite.
Il y en a trop. Attends. Je m'en occupe. C'est pas passé loin. Prenez la route de gauche. Où est-ce qu'on va, Joseph ? J'ai une idée. On n'arrête pas d'être baladés de gauche à droite. Comme des pions sur un plateau. Donc, c'est quasiment impossible de déterminer où on se trouve exactement. Mais cette lumière, celle de l'hôpital psychiatrique, on la voit toujours au loin. Cette machine à laquelle j'étais branché, je l'ai vue à des endroits différents. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression que c'est toujours la même, mais c'est difficile d'en être sûr. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je vois une de ces machines, je me rapproche de plus en plus du phare. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais comme je l'ai dit, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Donc tu crois qu'on devrait aller droit au but en fonçant directement à l'hôpital ? Exactement. Bien vu, inspecteur. La route de droite avait l'air plus directe pour rejoindre l'hôpital. Non ! Faites-nous sortir de là ! Il y a une ambulance. Ou peut-être du matériel de secours. J'y vais. Non. Ne les laissez pas monter dans le bus. Thank you.
Thank you.
mitrailleuse. Occupez-vous d'eux!
Merde. Dépêchons notre filet d'ici. Quel choix, on fonce! Accrochez-vous, ça va secouer!